En d'autres circonstances, cet événement passerait facilement pour un poisson d'avril. Mais ce mardi 1er a bien vu le Katanga prendre encore le flambeau d'une autre innovation. Pas seulement en RDC mais en Afrique, en ouvrant le tout premier parc de sport en plein air avec matériel fixe tel qu'exactement vu en Israël. Ainsi donc de bon matin, des jeunes, des vieux, de toutes conditions sociales s'exerçaient déjà à se bâtir des corps d'Apollon. Les uns travaillant des biceps, des abdos ou les autres encore les muscles du dos, en solo ou en équipe. Ces équipements de pointe sont en cours d'installation par des experts de renommée mondiale qui en même temps y placent un tapis synthétique. This is the first time in Africa that this kind of parks has been installed. Chaque matériel porte une notice d'usage en français et vous offre des indications claires sur les bénéfices à tirer de chaque exercice. Dans une société minée par des troubles liés au mauvais cholestérol ainsi qu'à des différentes maladies cardiaques, notamment liées à un manque d'exercice, cette initiative est salutaire pour la santé communautaire. Ça s'appelle prévenir et non guérir. Et pareille vision ne peut venir que d'un dirigeant sportif. À la surprise des athlètes à l'exercice sur le lieu, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoui y débarque en jean, en compagnie de Monsieur Forest, dont le parc porte le nom et qui se trouve donc doublement honoré. Sans formalité, le gouverneur s'installe sur une des machines et travaille quelques muscles avec l'aisance du sportif. Il est rejoint par Monsieur Forest, que beaucoup n'auront pas eu la chance de voir en pareille posture, le costume en plus. Des poubelles sont également prévues pour inviter les sportifs au civisme et à la salubrité. Quelques instants après, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué se transforme en personal trainer et coach un des jeunes dans le parc, avec un naturel qui force l'admiration. C'est aussi le temps qu'il choisit pour discuter, comme entre amis, avec les nombreux curieux qui voulaient en savoir davantage. On met à la Rouachi, on met à la Kenya, on va mettre un peu partout. C'est très bien. Pour les sportifs, au lieu de seulement rester à la maison, Là, il faut un responsable pour commencer à contrôler. Mais la sécurité, c'est vous, c'est nous. Il faut mettre dossier. Non, mais la sécurité, c'est. Bien sûr que c'est nous, mais il faut. Mais c'est vous, il faut. Tu sais, nous, on ne doit pas tout faire. Nous, on met ça à la disposition de tout le monde. Il y a beaucoup de cholestérol. Il y a beaucoup de maladies que si vous vous entraînez ici, au moins vous allez transpirer. Hein? Le sport, c'est la santé. Même si, même si vous voulez devenir des grands joueurs, vous venez ici. Basket, handball, parce que les gens disent, les salles de gym ici chez nous, c'est payant. Et on a pensé à tout le monde. Mais c'est à vous maintenant de protéger et d'éduquer les gens. Par exemple, il y a une petite poubelle là-bas, quelqu'un qui mange le chocolat ou qui boit un coca, vous dites, mon cher ami, et nous tenons à remercier infiniment le gouverneur d'avoir mis les premières installations sportives de gymnastique sans effort dans le square Forest qui porte notre nom. Nous sommes très heureux, très fiers et nous remercions infiniment le gouverneur pour toutes les actions sociales qu'il fait et qu'il continue à faire pour la population et dont la première installation est faite sur notre square. C'est gratuit, vous voyez, c'est tout à fait gratuit, c'est ouvert à tout le monde, les enfants comme les adultes, tout le monde a droit à venir et c'est gratuit. 10 parcs similaires seront installés à travers la ville et la province, dont 4 spécialement destinés à Lubumbashi. Dans le seul parc de sport Arthur Forest, 16 différentes machines sont déjà installées. Aux bons citoyens d'assurer la pérennité de ces équipements et leur éviter un quelconque vandalisme. Il serait en effet triste qu'un kidam arrache une de ces machines pour l'installer dans sa parcelle. Voilà un espace de sport libre d'accès. Tout le monde n'ayant pas le moyen de se payer l'entraînement dans les salles de gymnastique de la ville. Et plus loin, voici du matériel didactique gratuit pour ces nombreuses écoles dont les élèves passent le cours de gymnastique à l'aide de pneus désaffectés. Coup de chapeau donc au gouvernement provincial du Katanga.